Je vais lire peut-être un peu plus haut, si c'est bon, pour l'histoire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez lu Marc chapitre 11, le verset 22? Marc chapitre 11, le verset 22. Qu'on me trouve, donc le pasteur, il va, tu vas lire. Ensuite, tu vas préparer le passage d'Hébreux, chapitre. Non, Romains, chapitre 10, le verset 7. Romains, chapitre 10, le verset 7. Alors, Romains, chapitre 10, verset 7. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ dans les morts. Continue. Que dit-elle donc? La parole est prête. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ok, continue. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de déplacer les montagnes. Amen. Et nous avons vu que la première condition, c'est la montagne. Il faut une montagne. Il y a celui qui est à ta gauche et à ta droite, il te faut une montagne. Pour tester ton onction. Dis-lui, il te faut une montagne. Pour tester ta foi. Dis-lui qu'il faut une montagne pour faire de toi l'héros de la foi. Dis-lui qu'il faut une montagne pour te prouver que tu es plus que vainqueur. Dis-lui qu'il faut une montagne pour démontrer au diable que tu es Dieu vivant et grand. Dis tous ensemble, il me faut la montagne pour prouver au diable que je suis Dieu vivant. Pour prouver au diable que je suis plus que vainqueur. La prochaine fois que la montagne vient, je la déplace au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons vu la semaine, non pas la semaine dernière, nous avons vu hier qu'il y avait cinq façons d'appréhender une montagne. La première façon, on l'évite ou on la contourne. La deuxième façon, on l'escalade. La troisième façon, on la transperce. Hein, on creuse, on la transperce, on traverse, on passe à travers. La quatrième façon, on la déplace. La cinquième façon, on la survole. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? C'est important. Certains d'entre vous, le message d'hier, vous ne l'avez pas compris. Mais quand vous serez en face des situations, vous allez très bien vous rappeler de ce que j'ai dit. Ne vous inquiétez pas.
Donc, retenez ce que je vous dis, quand vous serez en face, vous verrez, lorsque le maître vous apprend que 1 plus 1 égale 2, c'est quand vous vous retrouvez devant le malien, hein, c'est comme ça qu'on dit au Gabon, le détaillant du coin, quand il vous donne 2 bonbons, en fait, vous vous rendez compte que 1 plus 1 égale 2. Mais en attendant à l'école, ça ne vous dit rien du tout. Amen. Donc, la montagne, premièrement, on peut l'éviter. Deuxièmement, on peut l'escalader. Troisièmement, on peut la transpercer, la traverser. Quatrièmement, on peut la déplacer. Cinquièmement, on peut la survoler. Et comment on la survole? Avec l'onction prophétique. Comment on la déplace? Avec la foi. Comment on la transperce? Avec des temps intenses de prière et de méditation de la parole de Dieu. Comment on l'escalade? Avec la persévérance, la vie d'église et la fidélité dans ce que Dieu nous donne. Amen. Comment est-ce que on... Le truc, c'est quoi? Comment on la contourne et on l'évite? C'est en fuyant les difficultés que Dieu met en face de nous. Le problème, c'est quoi? C'est que nous ne faisons que reporter ce que nous devons vaincre aujourd'hui. Ce que tu n'as pas pu vaincre aujourd'hui, te combattra demain. Retiens-le. Amen. Donc, vaut mieux le combattre maintenant et le vaincre. Mais tiens le toi, tu peux fuir. Mais sache que tu ne fais que retarder les choses. Amen. Alléluia. Amen. Les lacunes d'aujourd'hui font les problèmes de demain. Les lacunes d'aujourd'hui font les problèmes de demain. Est-ce que vous suivez? C'est parce que vous avez négligé les tables de multiplication qu'en cinquième, lorsque vous étudiez les identités remarquables, que vous avez du mal à trouver le facteur. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est parce que vous avez négligé les équations qu'arrivant en terminale, LN ne vous dit plus rien, Expo ne vous dit plus rien. Quand vous regardez LN et Expo, c'est trop dur. Vous êtes obligé de dire, non, les mathématiques, c'est dur. C'est parce que vous avez négligé l'anglais. Qu'un jour, vous atterrissez aux États-Unis, vous vous rendez compte, vous dites, au fait, comment on dit encore j'ai un parapluie? Est-ce que vous suivez? Ou bien, comment on dit encore, c'est où le chemin? Anglais. Parce que vous avez négligé l'anglais, vous acceptez le nouveau magnétoscope, ou un lecteur DVD, vous vous rendez compte que la notice n'est qu'en anglais et vous ne savez pas que faire. Est-ce que vous suivez? Parce que vous avez négligé l'anglais, mais vous aimez les voyages, vous arrivez à l'aéroport, vous vous rendez compte que tout est affiché en arabe, en anglais et en hébreu. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas le français parce que vous avez négligé l'anglais. Les lacunes d'aujourd'hui sont les problèmes de demain. Vaut mieux les vaincre. Amen. Et ça, je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas être plus que vainqueur si vous n'avez rien vaincu. Vous ne pouvez pas être un champion si vous n'avez boxé personne. Quelqu'un me suit ici. Il a fallu le Brésil pour que la France soit champion du monde en 98. Mais si la France arrivait sur le terrain, disait non, c'est le Brésil, forfait déjà, ils n'allaient pas du tout être champion du monde en 98. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un me comprend ici? Il faut toujours un géant pour que Dieu puisse te donner Canaan. Il faut toujours Goliath pour que Dieu puisse permettre que le roi te respecte, que tes frères te respectent, pour que l'onction royale se manifeste. Il te faut un Goliath pour commencer à marcher à côté des rois. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut un Goliath. Tu ne peux pas marcher avec le roi Saül, vous comprenez? Et être ton bras droit, vous suivez, s'il n'y a pas de Goliath. Vous vous rendez compte un peu lorsque David a vaincu Goliath? Il est allé se renseigner. Le roi a promis quoi? Il donnera quoi à celui qui va vaincre Goliath? On lui a dit, un, le roi lui donne sa fille. Le roi l'a franchi de tout impôt. Vous vous rendez compte? Si c'était ici en France, vous vous rendez compte? Parce que vous avez vaincu Goliath, vous ne payez plus d'impôts. Vous vous rendez compte un peu de ce que ça peut faire? Amen. David va dire, ça c'est une petite affaire. Amen. Et David va aller, il va vaincre Goliath. Quelqu'un me suit ici? Vous ne pouvez pas accéder à la prospérité si vous ne rencontrez pas votre montagne et si vous ne l'affrontez pas. Quelqu'un me suit ici? Parce que dans la montagne, il y a la richesse. Amen. Dans la montagne, il y a de l'eau qui coule, de l'eau pure, l'eau de source. Est-ce que vous comprenez? Pas l'eau boueuse. Quelqu'un me comprend ici? L'affrontement de la montagne sortira le meilleur de vous-même, en fait. Vous comprenez? Vous savez, un homme, pour savoir ce qu'il est véritablement, mettez-le en face des difficultés. S'il est impatient, vous verrez l'impatience. Quelqu'un me suit ici? S'il est méchant, vous verrez la méchanceté. C'est tout comme avec l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, mais avoir l'argent peut démontrer le caractère que nous avons. Si nous sommes mauvais, notre argent deviendra mauvais. Si nous sommes gentils, notre argent révélera que nous sommes gentils. Plusieurs d'entre vous, vous n'avez rien encore. C'est pour ça que vous êtes super gentils. C'est pour ça que vous partagez tout avec tout le monde. Quelqu'un me comprend?
Mais le jour où vous aurez beaucoup d'argent, est-ce que vous continuerez à partager avec les gens avec qui vous partagez? Savez-vous qu'il y a des gens, dès qu'ils prospèrent, c'est fini, ils ne vous connaissent plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? Ils ne vous connaissent plus. Vous voyez la vraie nature de la personne. Hein? Quand j'ai souffert pour avoir cet argent-là, est-ce que tu étais avec moi? Ton meilleur ami, hein, qui était là tout le temps avec toi, tu oublies maintenant. Tu lui rappelles cette fois où il n'a pas été là, en fait. Cette unique et seule fois où il n'a pas été là. Est-ce que vous êtes avec moi? Les montagnes vous amèneront loin. Amen. C'est pour ça que Dieu permet qu'il y ait des montagnes. Alléluia. Pour orner le paysage de votre vie. Pour qu'il soit beau. Donc ne vous plaignez plus lorsqu'il y a la montagne. S'il y a la montagne, réjouissez-vous. Parce que Dieu a déjà prévu la victoire quelque part. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a une montagne qui casse le soleil. Mais ça veut dire que le soleil n'existe pas. Quelqu'un me suit ici? Le soleil se trouve derrière la montagne. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Que les montagnes sont déplacées. Que les montagnes sont déplacées. Que les montagnes sont déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Que les montagnes. Que les montagnes. Que les montagnes. Par la puissance du Saint-Esprit. Que les soucis soient déplacés. Que les soucis, par la puissance du Saint-Esprit, le découvert sont annulés. Les découvertes sont annulés. Certains d'entre vous, vous devez tenter ça. Sont annulés par la puissance du Saint-Esprit. Les découvertes par la puissance du Saint-Esprit. Même si tu as trois comptes et que tu t'amuses, un à découvert, tu vas prendre dans l'autre pour combler dans l'autre juste pour gagner de temps. Tu dois chanter ce cantique. Quelqu'un me comprend ici? Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie de découvert. Hein? Quelqu'un me suit ici? Dieu ne nous appelle, ce n'est pas le genre de vie que Dieu nous appelle à vivre. Je confesse, je proclame au nom de Jésus que vous vivez dans l'abondance. Dans le nom de Jésus, je le déclare. Ne vous lassez jamais de proclamer ces choses. On ne vous enverra jamais une facture parce que vous l'avez proclamée. Est-ce que vous comprenez? La confession de la parole n'est pas payante. Quelqu'un me comprend ici? Vous confessez la parole. On ne viendra pas vous présenter une grosse facture parce que vous avez confessé la parole. Confessez-la tout le temps, tous les jours. Quelqu'un me suit ici? Jusqu'à ce que vous commenciez à voir quelque chose qui ressemble à une main. Quelqu'un m'a dit ici, je vois quelque chose qui ressemble à une main. C'est à ce moment-là qu'Élie a dit à Akab, monte, mange et bois, parce que le grondement que tu entends, c'est la pluie. Quelqu'un m'a dit ici, même si c'est 150 euros que la casse t'a donné, c'est déjà un commencement. Alléluia. C'est déjà un signe, c'est déjà un clin d'œil que Dieu est en train de te faire pour te dire qu'il t'appelle à une vie d'abondance. Quelqu'un m'a dit ici. Ah, j'appelle les richesses du nord, du sud, de l'est à l'ouest dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit ici? J'appelle cela dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas pour les païens. Est-ce que vous suivez? N'en voulez pas aux païens. Parce que certaines personnes disent non, certains païens sont même plus riches que nous. Certains païens réussissent même plus que nous. Laissez-les réussir. Parce que la Bible dit que tout ce qu'ils amassent, ils l'amassent pour nous en fait. Quelqu'un me suit ici? Laissez-les acheter les maisons autour de vous. Laissez-les construire les maisons. Laissez-les prospérer. Dieu a prévu un temps où les Égyptiens donneront leur ornement aux Israélites. Dieu a prévu ce temps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà lu dans la parole de Dieu? Vous avez déjà lu dans la parole de Dieu ça? Est-ce que vous avez lu quand le peuple juif est sorti? Dieu a dit d'aller chez les Égyptiens donner
prendre les ornements, l'or. Est-ce que vous comprenez? Ne vous inquiétez pas, on appelle ça le transfert de richesse. Quelqu'un m'a dit ici, et je prophétise un transfert de richesse dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne les en voulez pas. Laissez-les construire. Ils bossent pour nous. Vous comprenez? Ne vous inquiétez pas. Gloire à Dieu. Amen. La condition numéro 2. Pour déplacer la montagne, il faut la foi. Il faut avoir la foi de Dieu. Condition numéro 2. Il faut avoir la foi de Dieu. Vous mettez, il faut avoir la foi de Dieu. Vous ne mettez pas tout simplement, il faut la foi. Vous mettez, il faut avoir la foi de Dieu. Quand vous prenez le passage qu'on a lu de Marc, qui dit, si tu dis à cette montagne, il commence comment? Il dit, ayez foi en Dieu. Certaines versions disent, ayez la foi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de foi. Il y a deux types de foi. Deux types de foi. Il y a la foi naturelle, celle qu'on appelle la foi de Thomas, et la foi de Dieu. La foi naturelle qu'on appelle la foi de Thomas et la foi de Dieu. La foi naturelle, c'est quoi? La raison pour laquelle vous êtes assis sur cette chaise, c'est parce que vous êtes sûr que cette chaise ne vous fera pas tomber. Ça, c'est la foi naturelle. Est-ce que vous comprenez? Vous ne vous asseyez jamais sur une chaise qui est défectueuse. Vous comprenez? L'une des raisons pour laquelle, quand vous venez, vous asseyez automatiquement, sans regarder à gauche et à droite, c'est parce qu'un jour, vos sens ont touché. Elles se sont rendues compte, en fait, que la chaise était là, que ces chaises-là sont résistantes. Donc, quand vous venez vous asseyez dessus, ça, c'est la foi des hommes. Cette foi-là qui touche et elle croit. Thomas dit, si je touche, si je mets le doigt dans les blessures, le doigt dans les mains qui ont été percées, là, je croirai. Ça, c'est la foi des hommes. Une foi qui dit, il faut d'abord voir, il faut d'abord toucher, il faut d'abord sentir pour voir. Mais ce n'est pas de ce type de foi-là dont le Seigneur parle, en fait. Parce que pour déplacer vos montagnes, bien-aimés, par foi, avec vos propres yeux, avec vos sens, vous ne sentirez pas la solution. Mais dans votre esprit, vous la sentirez, en fait. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez pas la foi, en fait, vous ne pourrez pas sentir les solutions surnaturelles que Dieu vous donne, en fait. Je vous ai dit le premier jour, il y a des problèmes physiques qu'on ne vainc que spirituellement, en fait, parce que la solution n'est pas dans le monde physique, mais elle est dans le monde spirituel. Et par la foi, vous devez l'amener dans le monde physique. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le type de foi de Dieu. Donc, il y a la foi des hommes, la foi de Thomas et la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est celle-là dont vous avez besoin pour déplacer les montagnes. Parce que la Bible dit que c'est par la foi que le monde a été fondé par la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu a seulement dit que la lumière soit. Et il croyait qu'en disant que la lumière soit, la lumière allait y être. Est-ce que vous avez lu dans la parole de Dieu que Dieu a dit que la lumière soit? Et il y a eu d'abord quelques étincelles. Et la lumière est partie et elle est revenue. Est-ce que vous avez lu ça en fait? La Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Point final. La lumière a été dès que Dieu a parlé. Dieu a créé le monde. Vous savez, si Dieu agit par la foi, qui êtes-vous pour ne pas agir par la foi? Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle vous devez maîtriser c'est quoi la foi. C'est la raison pour laquelle le mécanisme de la foi, vous devez parfaitement le connaître. Et je ne cesserai jamais dans cette église de vous enseigner sur la foi, mais jamais. Je continuerai jusqu'à ce que vous maîtrisiez la foi. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, il dit catalambano, jusqu'à ce que vous catalambaniez, si vous voulez, la chose. Faire vôtre, comprendre. Vous comprenez? Et j'aimerais tellement que vous puissiez comprendre c'est quoi la foi. Il y a celui qui est à ta gauche, à ta droite, fais-moi de l'espace, parce que je vais libérer ma foi. Dis-lui, je vais démarrer tellement fort que tous ceux qui sont à côté de moi peuvent tomber au haut. Il y fait moi de l'espace. Alléluia.
Romains chapitre 10. Pasteur Yvon, est-ce que tu peux venir? Il est où, pasteur Yvon? Romains chapitre 10, le verset 7. Romains chapitre 10, dès le verset 7. Écoutez. Non, attends, avant de lire. Quel est le verset biblique qui définit la foi? Hébreux chapitre 11, verset qui dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la définition de la foi. La foi est une ferme assurance. C'est une conviction. C'est un type de propriété. Des choses qu'on ne voit pas. Vous suivez, non? Une assurance. Vous avez vraiment une conviction. OK. Continue, pasteur Yvan. Vas-y, Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, à partir du verset 7. Oui. Où? Qui descendra? Qui descendra dans la Bible? C'est faire remonter Christ dans les morts. Mm-hmm. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Mm-hmm. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Très bien, arrêtez-vous là. OK. Donc nous avons la définition de la foi. Hébreux 11, 1. Vous comprenez? Vous allez chez vous, vous allez lire ce passage public, vous allez faire des recherches là-dessus et vous aurez la définition de la foi. Amen. Maintenant, d'où vient la foi? Quelle est l'origine de la foi? Quelle est l'origine de la foi? Tu réponds quoi? Non! Oui, non, l'origine, c'est ça. Mais d'où vient la foi? Je dis d'où vient la foi? D'où vient la foi? La foi vient de la parole de Dieu. Il faut un rien pour vous perturber, en fait. Un rien. Il suffit que je fais comme si vous vous êtes trompé, c'est fini. Soyez certains, ne laissez personne vous perturber. D'où vient la foi? La foi vient de la parole de Dieu. D'où naît la foi? D'où naît la foi? D'où naît la foi? D'où naît la foi? Pasteur Yvon, vas-y, Romains chapitre 10, relis. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur. D'où naît la foi? D'où vient la foi? D'où naît la foi? D'où vient la foi? OK. Est-ce que vous avez maîtrisé? Est-ce que c'est bien? Vous avez maîtrisé? C'est bon? C'est bon? OK. Très bien. Vous savez pourquoi je fais cet exercice-là? Parce que chaque année, on enseigne sur la foi, on pose ces questions-là, et certains d'entre vous vous mélangez avec la question d'où vient la foi et d'où naît la foi. Vous mélangez les deux. D'où vient la foi, la parole de Dieu, d'où naît la foi dans notre cœur. Donc vous retenez. Amen. 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 Très bien. Vous avez retenu ça, on peut avancer, n'est-ce pas? Très bien. Donc d'où naît la foi?
La foi naît dans le cœur. Amen. D'où vient la foi? La foi vient de la parole de Dieu. Quelle est l'origine de la foi? L'origine de la foi, c'est la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Très bien. On est là, on est ensemble. C'est vendredi. Demain, vous ne travaillez pas. On va tirer. Surtout que vous êtes venus en retard. Ne vous inquiétez pas, je suis tranquille. Donc, quand tu as une montagne dans ta vie et qu'il faut que tu la déplaces, d'où est-ce que tu dois tirer ta foi? Dites-le bien fort. Très bien. OK? Très bien. Quand vous avez un problème, est-ce que la Bible dit que vous devez vous précipiter dans la prière? Est-ce que la Bible dit que vous devez vous précipiter dans la prière? Je vous ai dit que pour déplacer une montagne, il vous faut la foi. Mais d'où est-ce que vous allez puiser cette foi? Ça veut dire quoi? Que si vous priez sans la foi, votre prière est douée là. Surtout les Noirs, quand ils ont un problème, oh Seigneur, oh Yahweh, oh Dieu, oh ceci, oh Yaya, oh ma frère, oh, ils vont commencer à prier, 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 prier. Prier, c'est pas mal, hein? Mais prier en dehors de la parole de Dieu, ça ne donne aucun effet. Prier sans la foi, ça ne donne aucun effet. Est-ce que vous êtes avec moi en fait? Vous suivez? Ça vous fera du bien, ça vous soulagera, vous comprenez? Mais ce n'est pas ça qui déplacera les montagnes. La prière qui déplace les montagnes, c'est la prière accompagnée de la foi, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes en face d'une montagne, la première chose que vous avez à faire, c'est aller dans la parole de Dieu, voir ce dont la parole parle au sujet de cette montagne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Mon frère, ma sœur, ça veut dire que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu rencontreras toujours des montagnes, tu ne pourras pas les déplacer. Tu ne pourras pas les déplacer. Pas parce que Dieu n'entend pas tes prières, mais parce que tu n'as pas la foi pour, en fait. Est-ce que vous comprenez? Je vais redire encore des choses, vous allez voir, je vais encore redire. Il te faut la montagne, n'est-ce pas? Jésus dit quoi? Est-ce que Jésus a dit? Si vous parlez au Père au sujet de cette montagne, le Père la déplacera. Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit, si vous parlez, est-ce qu'il a dit, si vous parlez au Père au sujet de votre problème, le problème partira. Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit, si tu parles à la montagne, quelqu'un vous comprend ici? Est-ce qu'il a dit, si tu parles de la montagne à ton oncle, tout le temps la montagne se déplacera? Est-ce qu'il a dit, si tu parles de la montagne à ton pasteur, la montagne se déplacera? Est-ce qu'il a dit, si tu parles de la montagne à tout le monde, est-ce que la montagne se déplacera? Est-ce qu'il a dit ça? Certains d'entre vous, je vous assure, il y a les montagnes de vos vies dont vous ne devez même pas parler, elles sont tellement hauteuses. Elles sont tellement hauteuses, vous n'en avez même pas parlé de ces montagnes-là. Est-ce que vous comprenez? Certains d'entre vous, vous ne savez même pas à qui vous parlez de vos problèmes. Faites attention. Faites attention à la personne avec qui vous parlez de vos problèmes. Quelqu'un me suit ici. Il y a des personnes à éviter quand vous avez des problèmes. Vous suivez? Il faut éviter les rapporteurs, il faut éviter les incrédules, il faut éviter les murmureurs et les gens qui aiment les plaintes. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces personnes-là ne vous aideront pas à déplacer la montagne. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Il a dit que s'il y a la montagne en face, tu dois parler à la montagne, n'est-ce pas? Et la montagne va se déplacer, n'est-ce pas? Très bien. Condition numéro 2, la foi. Où est-ce que vous avez donc la foi? Dans la parole de Dieu.
Mon frère, ma soeur, je ne connais pas la montagne par laquelle tu passes. Est-ce que vous comprenez? Je ne connais pas le nom de ton problème. Mais sache que chacun des problèmes que tu rencontres a une solution dans la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Il y a une solution dans la parole de Dieu. Si tu vas dans la parole de Dieu, tu auras la foi nécessaire pour déplacer la montagne de ta vie. Peut-être que la montagne s'appelle problème financier. Il y a la solution dans la parole de Dieu. La Bible dit, je te bénirai et je te rendrai prospère. Peut-être que ton problème a un rapport avec le mariage. La Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a la solution dans la parole de Dieu. Peut-être que ton problème est un problème dans ta famille. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, même dans ton foyer, le bonheur doit t'accompagner. Est-ce que vous comprenez? Il y a tout en fait dans la parole de Dieu. Ton problème, c'est le ministère. Dieu te promet un ministère épanoui. Quelqu'un me comprend ici? C'est dans la parole de Dieu. Ça veut dire que si vous êtes en face d'une montagne, le premier réflexe, c'est la parole de Dieu. Donc, si vous négligez la parole, vos prières seront inefficaces. Ce n'est pas parce que vous avez prié et que ça vous a donné le coup dans l'esprit que votre montagne va se déplacer. Suivez attentivement ce que je suis en train de vous dire. Hein. Je priais par rapport à un besoin d'argent. Je priais. Et je passais des heures dans la prière. Je sentais la présence de Dieu. Et je sentais le goût de la présence de Dieu. J'aimais être là. Je priais. Et quand je finissais la prière, je sortais de là. Mon problème était toujours là, en fait. Des années sont passées, des mois sont passés, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il faut aller à la parole de Dieu. Il faut puiser sa foi dans la parole de Dieu. Et ensuite déclarer, comme je vais vous le dire tout à l'heure. Vous êtes toujours avec moi. On est en train de monter petit à petit. Hein? Ne vous inquiétez pas. Là, je suis en train de parler de façon parabolique. Hein? Hier, vous étiez perdu. Et la chaleur vous tournait la tête. L'un des collègues d'Yvon a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, mon pasteur, je ne comprends rien. Il y a une Bible ici. Très bien, je vais inverser la question. Qui n'a pas de Bible chez lui? Très bien. Qui a un portable ici? Qui d'entre vous, le portable n'a pas la Bible à l'intérieur? Lève la main. Lèvez la main. Si dans votre portable, il n'y a pas de Bible, le pasteur Christ dit souvent, si dans votre portable, il n'y a pas de Bible, ce n'est pas un portable, c'est une pierre. Il faut jeter. Procédez. Comment tout le monde peut vous parler dans votre portable sauf Dieu? Tout le monde peut vous parler dans votre portable, à travers votre portable, sauf Dieu. Et parfois les conversations, là, si seulement vos portables pouvaient parler. Il y a certains d'entre vous, les portables n'ont même plus envie de transmettre ce genre de conversation. Vous comprenez? Quand tu as acheté le portable, tu as dit, Seigneur, je sanctifie ce portable. Et il y a des conversations, tu commences à les entamer, le portable ne veut pas. Tu entends ce matin, je ne t'entends plus bien, le portable ne veut pas transmettre cette conversation. C'est un portable saint. Tu l'as sanctifié. Il ne reçoit même plus. Vous pouvez prier pour votre portable pour que tout appel qui n'est pas de Dieu soit rejeté automatiquement. Problème de réseau. Tout appel de découragement, tout appel de plainte, tout appel de murmure, tout appel de critique, tout appel rejeté au nom de Jésus-Christ. Tu arrives seulement, tu te dis, mais je t'ai appelé 10 fois, tu regardes ton portable, rien du tout. 10 fois, quel était le motif de ton appel? Ah, je voulais un peu me plaindre chez toi, rien à faire. Tu sais, mes oreilles ne sont pas une poubelle, mon portable refuse la poubelle. Très bien, avec moi. Ok, très bien, on va continuer dans l'enseignement. Donc, la foi vient dans la parole de Dieu. Amen. Donc, premièrement, en écoutant la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu. Quand vous arrivez le dimanche matin à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, la foi peut naître par rapport à votre problème. Est-ce que vous suivez?
quand vous écoutez la parole de Dieu, l'onction de Dieu est là, en fait, pour faire naître la foi dans votre cœur. Quand je dis pour faire naître, c'est parce que la parole est accompagnée d'une onction. Et l'onction va ouvrir votre esprit pour que la parole tombe dedans et que la parole porte du fruit. Vous êtes avec moi? Vous êtes toujours avec moi? En écoutant la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu à l'église, en écoutant la parole de Dieu à la maison. En écoutant des bonnes prédications, des prédications ouintes. Pas des prédications des gens qui passent leur temps à critiquer les autres personnes. Ce ne sont pas les bonnes prédications. N'écoutez pas ces personnes-là. Je le redis, n'écoutez pas ces personnes-là, en fait. Quelqu'un qui se met devant l'écran pour critiquer un autre pasteur, pour critiquer les églises, pour critiquer les dénominations, ça ne fera pas naître la foi dans ton cœur. Ça te fera naître le doute et la suspicion. Partout où tu iras, quand tu verras un homme de Dieu, tu seras suspicieux. Et il peut te presser la parole avec la plus grosse onction qu'il ait, en fait. Tu ne la recevras pas. Pourquoi? Parce qu'on a pollué ta tête avec des pensées suspicieuses. Vous comprenez? Et j'ai l'habitude de vous dire, méfiez-vous, hein. Dieu a oué des gens pour vous bénir. C'est la décision de Dieu, en fait. Et il sait qu'il a choisi des vases imparfaits. Donc, quand il a choisi de vous bénir à travers un homme, si vous venez vous asseoir là à cause des suspicions, à cause des mauvaises choses que vous avez entendues, si vous ne recevez pas la parole qui va apporter la solution à votre problème, ce n'est plus la faute de Dieu, ce n'est plus la faute de l'homme de Dieu, c'est de ta faute. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce ne sera jamais la faute de Dieu. Ce sera de ta faute. Dieu a choisi des hommes, il a mis l'onction. Quelqu'un me suit ici. Avec ça, vous savez, on peut tout dire sur les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu aux États-Unis qui ont eu des problèmes. Bien-aimés, je fais la part entre la vie privée de cet homme de Dieu et l'onction qu'il y a dans sa vie. Moi, je fais la part. Moi, je fais la part. Je ne suis pas comme ces chrétiens-là. Quand un homme de Dieu a eu des problèmes, il ne l'écoute plus, en fait. Parce qu'il y a une différence entre la vie personnelle de cet homme et l'onction que Dieu... La Bible dit que Dieu ne se répond pas de ses dons et de ses appels. Dieu met l'onction dans la vie d'un homme de Dieu pour bénir son peuple, en fait. Est-ce que vous comprenez? Et tant que cette onction fonctionne, je profite. Qu'il est divorcé ou pas, je m'en fiche. L'onction fonctionne encore dans sa vie, elle est là pour me bénir. Vous êtes avec moi? Ayez de la maturité. Dis à ton voisin, aie de la maturité. Aie de la maturité. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Parce que certains d'entre vous, la foi ne naît pas à cause de tous ces problèmes-là. Mais nous allons voir ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Amen. La foi va naître aussi par prophétie. Par prophétie. On vous donnera une parole prophétique. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On te donne une parole prophétique et cette parole, tu la reçois au-dedans de toi. Tu sais et tu sais que tu sais. Tu n'as pas de doute que c'est Dieu qui t'a parlé. Et tu te balades avec cette parole-là, elle te fortifie, elle t'amène de l'avant. C'est pour ça que nous prophétisons sur votre vie. Et comme je suis ici, c'est pour vous aider. Troisième façon, par conviction personnelle. Vous êtes en train de prier et Dieu vous parle, en fait. Vous comprenez? Il vous parle, peu importe la façon dont il vous parle. Qu'il te dise, je te donnerai toutes ces maisons que tu vois. Ou qu'il te dise, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Il t'a parlé et il t'a donné une promesse. Vous êtes avec moi? La foi va naître aussi quand nous lisons la parole de Dieu. Quand nous lisons un livre ou un, vous comprenez? Le temps que vous passez à lire des livres où on décrit la puissance du sorcier, si seulement vous prenez un livre qui décrit la puissance de Dieu, votre niveau de foi sera déjà élevé. Parce que les chrétiens passent du temps à lire des livres où la personne écrit le titre du livre, c'est « J'étais sorcier ». Et à l'intérieur du livre, il passe tout son temps à faire l'apologie de la puissance de Satan. Et parfois, il met même une phrase. Vous savez, virgule, Satan est très puissant, point. Quoi? Vraiment. Chapitre 2. Vous savez, Satan est très intelligent. Quoi? La Bible dit qu'il est rusé et malin, pas intelligent. La Bible n'a jamais employé le mot intelligence pour Satan. Vous comprenez? Toujours malin, rusé. Dis à ton voisin, lis des bons livres.
Amen. Amen. Pendant que vous êtes en train de lire un bon livre, Dieu va vous parler. Certains d'entre vous, vous avez des problèmes. Et vous êtes là, vous cherchez la solution. Vous avez déjà prié, mais il n'y a pas la solution. Allez chercher des livres qui traitent de votre problème. Des livres chrétiens, au moins, qui traitent de votre problème. Et vous verrez, vous aurez la foi pour déplacer cette montagne-là. Vous aurez la foi pour déplacer cette montagne. Regardez, c'est le jour où je suis tombé malade. Le jour où je suis tombé malade, en 2001. C'était ma première année en France. Je tombe gravement malade. Et quand je tombe gravement malade, je prie avec le pasteur Paulette, le pasteur Isaac, avec le pasteur Michael Lobo. On prie, mais rien. La maladie ne part pas. Je suis là, j'ai mal au ventre. J'avais des ganglions dans l'abdomen. Je suis là, j'ai mal au ventre. Je suis là. On prie, rien. Je dis au pasteur Isaac, non, là, va chercher l'huile. On va mettre l'huile sur le ventre là, parce que là, vraiment, il allait chercher l'huile d'olive. Ils ont mis l'huile sur mon ventre. On a prié, rien. C'est là où je me suis rendu compte qu'il est plus facile d'avoir la foi quand tu es en bonne santé. Mais quand tu es malade, c'est très dur. Je me suis rendu compte. C'est là où j'ai découvert. Vous comprenez que la guérison divine, c'est bien, mais la santé divine, c'est mieux. Vaut mieux ne jamais tomber malade. Vous comprenez? On m'a opéré, alors que je ne voulais pas être opéré. Je me rappelle très bien que le jour où le médecin a dit, écoutez, monsieur, on ne sait pas ce que vous avez, mais on va vous opérer, on va faire un prélèvement et une analyse. J'ai dit, quoi? Vous allez percer mon ventre? Ils disent oui. Je dis non, merci, monsieur, vous avez tout fait, ce qui est à votre pouvoir, vous inquiétez pas, je vais prendre mes clics et mes clics, je vais partir, mais il n'est pas question que le bouche dise oui, perce mon ventre. Que vous rendez compte? Ils disent non, monsieur, on ne fendra pas, on fera juste des petits trous, on introduira des caméras dans votre ventre. Je dis quoi? On introduira des caméras dans mon ventre. Et puis la joie que tu as, tu vois maintenant la table des caméras. Et si vous oubliez une caméra dans mon ventre? Et là, j'appelle un ami pasteur qui m'a beaucoup encouragé au tout début de mon ministère. Et je lui ai dit, non, les médecins veulent m'opérer. Il me dit, mais c'est quoi ton problème? Je lui ai dit, mais je ne veux pas. Il me dit, quoi, tu as peur, hein? Je lui ai dit, oui, j'ai peur. Et là, j'avoue maintenant, j'ai dit, oui, j'ai peur. Il me dit, mais attends, mais tu as peur de quoi? Ce n'est même pas comme au pays où on t'opère avec la hache. Là, ils ont tous les appareils, viens. Et dis-moi, je te montre là où on m'a opéré. Il y a encore la cicatrice au pays. Mais ici, peut-être même que les cicatrices là, tu ne les verras même pas. Il dit, va quand même. Et je suis incrédule, c'est comme ça que je lui dis. C'est comme ça qu'il me dit, attends. Est-ce que tu as fini la mission que Dieu, pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre? Je dis, je n'ai même pas encore commencé. C'est même encore flou. Il faut que je fasse quoi? Est-ce qu'il faut que je prêche, que je chante ou que je fasse des affaires ou avocat? C'est même flou. Il dit, si tu n'as pas encore commencé et tu n'as pas terminé ce que Dieu t'a envoyé faire ici sur la terre, alors n'aie pas peur, va te faire opérer. Et je suis allé. Et bien aimé, j'étais là sur le lit et je sentais la présence de Dieu sur moi. Et là, j'ai entendu une voix me dire, tu ne mourras pas, tu vivras parce que je t'ai appelé à prêcher ma parole. Quelqu'un me suit ici. Ils sont venus m'ont opéré. Mais regardez ce qui m'a amené à méditer la parole de Dieu. Après l'opération, on a fait une opération bizarre. C'est une opération où on te souffle de l'air dans le ventre. Le ventre gonfle. On introduit des caméras, pas les grosses, les petites, les caméras médicales. Vous suivez? On introduit des caméras médicales et là, ils font un prélèvement. Quand je me lève de l'anesthésie, un jour plus tard, quand je tourne à gauche, je sens tous mes intestins descendent à gauche. Je dis, oh, ça c'est quoi? Quand je tourne à droite, je sens tous mes intestins descendre à droite. Je ne reconnais plus mon corps. Et c'est là où je me mets à pleurer. Est-ce que vous suivez? Je dis, mais c'est quoi ça? Je ne reconnais plus mon corps. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Est-ce que vous suivez? Et après ça, j'ai pris la résolution de ne plus jamais tomber malade.
j'ai lu les livres que je connaissais sur la guérison et la santé divine. J'ai lu les versets et les passages bibliques sur la santé divine. Et j'ai dit, Seigneur, je vais non seulement lire ça, mais je consacrerai toute ma vie à prêcher contre la maladie. Parce que je l'ai expérimenté et ce n'est pas une bonne chose. Je l'ai expérimenté et ça ne peut pas venir de Dieu. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La foi pour affronter quelque chose viendra quand vous étudierez la parole concernant cette chose-là. Et très souvent, Dieu fera même de vous un spécialiste dans le domaine. Quelqu'un me suit ici. Les oppressions sataniques que tu ressens aujourd'hui, commence à étudier sur ton autorité et la liberté en Christ. Dieu veut faire de toi un spécialiste dans le domaine. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Certains d'entre vous, vous avez des sérieux problèmes de caractère, mais vous aimez Dieu. Mais vous aimez la parole de Dieu. Vous avez des caractères terribles, mais vous aimez Dieu. Et vous aimez sa parole. Dieu va façonner votre caractère pour que vous soyez à même d'enseigner les autres comment façonner leur caractère. Si vous êtes avec moi, ne vous inquiétez pas si vous avez un caractère terrorisme. Permettez-moi le néologisme. Si vous êtes terroriste dans le caractère, si vous aimez Dieu, et vous aimez sa parole, elle va vous changer et Dieu va vous changer. Quelqu'un me suit ici. Attachez-vous seulement à Dieu et à sa parole. Parce que celui qui marche ensemble, il finit toujours par s'influencer. Vous comprenez? Qui t'assemble se ressemble. Et j'ai l'habitude de dire entre vous et Dieu, il y a un qui va influencer l'autre. Je vous promets que vous ne l'influencerez pas. C'est lui qui vous influencera. Est-ce que vous comprenez? Je peux vous garantir, je vous assure, ce n'est pas la peine d'aller jouer à Betclic pour ça. Je vous dis déjà la réponse. Il vous changera. Vous êtes avec moi? Marchez seulement avec lui. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas à cause de toi. C'est toi qui changeras à cause de lui. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Faites comme ceci. Donc, en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, vous suivez, il y a des étapes que la parole va prendre avant d'arriver dans votre esprit pour que la foi soit libérée. Vous comprenez? Avant que la montagne ne se déplace, il y a des étapes en fait. La première étape, c'est la lecture de la parole de Dieu ou l'écoute de la parole de Dieu. Ce sont vos sens physiques en fait. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes aveugle, c'est sentir la parole de Dieu par le langage des brailles. Est-ce que vous comprenez? On dit quoi? Le braille? Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Soit vous voyez, soit vous entendez. Avec vos yeux, avec vos oreilles. Après, qu'est-ce qui se passe? Extrêmement important. Ce que je vais vous expliquer est extrêmement important pour comprendre la naissance de la foi véritable. Donc, suivez attentivement ce que je vais vous dire. Vous suivez? Vous écoutez la parole de Dieu ou vous la lisez. Elle va entrer dans votre intelligence. Vous comprenez? Elle entrera dans votre intelligence. Et si dans votre intelligence, vous ne la comprenez pas, vous devez la méditer. Vous devez l'étudier. Vous devez réfléchir sur pour la comprendre. Est-ce que vous comprenez? Si vous méditez, vous réfléchissez sur, vous suivez, vous focalisez dessus, vous cherchez à comprendre ce que ça veut dire à un moment donné. Vous aurez ce qu'on appelle une illumination. Vous comprenez? C'est quand vous arrivez à comprendre maintenant le passage, alors qu'avant vous ne le compreniez pas. Même si c'est un passage simple, hein, vous comprenez? Avec le français, vous le comprenez littéralement, mais vous n'arrivez pas du tout à voir la révélation qui va amener la foi dans votre esprit. Est-ce que vous suivez? Je suis encore à la révélation. Vous suivez? La révélation se passe dans l'intelligence. Est-ce que vous suivez? Et rappelez-vous d'une chose, à côté de l'intelligence, il y a ce qu'on appelle la pensée. Et la pensée est la porte de votre esprit. Dès l'instant où vous comprenez la parole de Dieu, la révélation vient. La révélation, c'est quoi? C'est quand votre intelligence s'ouvre et vous avez accès à ce qu'il y a maintenant dans votre esprit. Et rappelez-vous, la foi va naître là-bas. Donc, quand ça s'ouvre, en fait, la parole de Dieu va rentrer dans votre esprit. Et quand elle va rentrer dans votre esprit, automatiquement, il y aura une assurance qui naîtra. Il y aura une conviction qui naîtra. Il y aura le « je sais que c'est véritable ». Il y aura le « je sais que ce verset biblique me concerne ».
Je sais que cette parole me concerne. Vous êtes avec moi. Je vais reprendre. Vous n'avez pas de problème. Chaque année, j'enseigne ça. Chaque année. Pour que vous puissiez comprendre. Il y a une différence entre la foi et la croyance. Vous comprenez? Pour que la foi naisse, il faut qu'il y ait votre croyance qui se mixe avec la parole de Dieu et la foi naît. Vous suivez? Vous notez ça, vous mettez entre parenthèses. Ce sera l'objet des explications lors du discours là. Mais je vais recommencer la naissance de la foi. Vous lisez la parole, vous l'écoutez, vous devez la comprendre. Je me dis, vous lisez la parole, vous l'écoutez, vous devez la comprendre. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, la foi ne pourra pas naître. La Bible nous parle des quatre types de cœur, en fait, des quatre types de terre, la parabole du semeur. Dans un type de terre, il y a un type qui ne comprend pas la parole de Dieu. Et parce qu'il ne comprend pas la parole de Dieu, en fait, le diable vient, il arrache la parole. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Il prend la parole. Donc, vous devez la comprendre. Ça va. Juste ici. Je vais vous dire, ne t'inquiète pas, vous allez sortir d'ici, vous allez comprendre. C'est pour ça qu'il y a des docteurs, des enseignants, pour vous expliquer la parole. La prédication de la parole révèle la foi. L'enseignement de la parole établit la foi. Prêcher signifie proclamer. Enseigner signifie expliquer. Pour que vous compreniez. Amen. Je vais prendre un exemple. Vous prenez un verset biblique. Vous avez un problème de loyer. Avec l'exemple, vous allez comprendre. Vous avez un problème de loyer. Vous avez un retard de loyer. Hein? Je donne un exemple. 6 mois de retard de loyer. Je ne sais pas quel est le propriétaire qui vous laisse avec 6 mois de retard de loyer, mais c'est possible. 6 mois de retard de loyer. Et là, trop, c'est trop. Vous dites, non, Seigneur, là, c'est trop. Vous allez dans la parole de Dieu. Vous allez prendre le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, y compris d'argent pour payer mon loyer. Vous prenez ce verset biblique-là. Vous commencez à le méditer. C'est quoi ne manquer de rien? S'il y a la possibilité que vous preniez un dictionnaire, prenez le dictionnaire. Vous comprenez? Ouvrez le dictionnaire. Manquer, c'est quoi en fait? Et maintenant, ne manquer de rien, c'est quoi? Si possible, faites une analyse logique ou grammaticale. Qui ne manquera de rien? Je. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous suivez? Étudiez le texte. Vous vous rendrez compte qu'après l'avoir étudié, vous le connaîtrez par cœur. Et ça, ce sera important pour l'étape suivante, la confession. À partir de ce moment, pendant que vous êtes en train d'étudier, vous l'avez déjà retenu, vous pouvez le murmurer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je ne manquerai de rien, alors je ne manquerai pas de loyer. Si je ne manquerai de rien, alors je ne manquerai pas d'argent pour mettre l'essence dans ma voiture. Alors je ne manquerai pas de mari. Alors je ne manquerai pas d'épouse. Alors je ne manquerai pas de quoi? De voiture, je l'ai déjà dit. Est-ce que vous suivez? Vous méditez. Parfois, un jour va passer. Et vous êtes en train de murmurer. Parce que vous avez étudié le passage, vous le connaissez par cœur. Quelqu'un me suit ici. Vous le murmurez. Et pendant que vous êtes en train de le murmurer, parfois le jour même, ou parfois même 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, tout à coup, il y a une conviction qui naît dans votre cœur. Il y a une assurance qui naît dans votre cœur. C'est bizarre, vous sentez que quelque chose est né. Effectivement, vous ne manquez de rien. Vous ne savez pas comment l'expliquer, mais autour de vous, quelque chose qui dit que vous ne manquez plus de rien du tout. Est-ce que vous suivez? C'est là, c'est dedans, ça s'impose autour de vous. Vous ne saurez pas comment expliquer. Et tout à coup, vous êtes content, vous dites, oh, c'est bizarre, comment je ne l'ai pas compris avant? Effectivement, je ne manquerai de rien en fait. Vous venez juste d'avoir l'illumination. Vous suivez? La parole vient juste de rentrer dans votre esprit. Et quand la parole est rentrée dans votre esprit, cette assurance, cette conviction, c'est la foi qui vient de naître dans votre esprit. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Maintenant, quand la foi est née, elle est née où? Dans votre esprit, n'est-ce pas? Vous suivez? Tant que la foi est dans votre esprit, ça ne produira rien du tout dans le monde physique.
parce que votre problème se trouve dans le monde physique. Alors, il est question maintenant d'influencer les choses dans le monde physique. C'est là où la déclaration vient en compte maintenant. Quand c'est né au-dedans de vous, en fait, vous suivez, là, vous déclarez, l'Éternel est mon berger. Alain Patrick ne manquera plus jamais de rien. Gloire à Dieu, je déclare que je ne manquerai plus de rien. Est-ce que vous suivez cette chanson de vous dire? Vous savez, si vous déclarez la parole de Dieu sans que la foi ne soit née au-dedans de vous, ça ressemblera tout simplement à des formules magiques que le marabout répète tout le temps dans le quartier. Est-ce que vous suivez? Mais si la foi est née et que vous libérez la parole, cette parole-là a une puissance et ça agit. Et c'est là où les montagnes se déplacent. Quelqu'un me suit ici? Regardez, je vais vous réexpliquer autre chose encore. Regardez, je vous ai toujours dit que dans la parole de Dieu, il y a les promesses et il y a les états de fait. Amen. Par exemple, quand la Bible dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ce n'est pas une promesse, c'est un état de fait. Le Seigneur est avec nous. Amen. Il dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Ça, c'est un état de fait. Maintenant, il y a des choses que le Seigneur nous a promises, en fait. Et nous devons entrer en possession de cette chose par la foi, par le processus que je vous ai expliqué. Comprendre d'abord cette promesse, en fait. Vous suivez? Et après, la foi va naître dans le cœur. Amen. Maintenant, quand la foi est née, quand la conviction est née, quand l'assurance est née, quand vous savez, que vous savez, ce que vous savez, c'est né, en fait, à partir de ce moment, la promesse n'est plus une promesse, c'est devenu un état de fait. Et c'est là où vous devez déclarer maintenant la parole. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel et dans le royaume de Dieu, les mots, ce sont des choses. Quand vous prononcez quelque chose, vous libérez littéralement quelque chose. Et les Juifs le comprenaient bien. Quand Samuel va entendre parler de Dieu, va entendre la voix de Dieu, il ira voir Élie. Et il demandera à Élie. Élie lui dira plutôt, retourne te coucher, il repartira encore une autre fois. Et Dieu va lui parler. Quand Dieu va parler à Samuel, et quand Samuel va s'approcher d'Élie, Samuel et Élie vont parler, Élie demandera à Samuel, quelles sont les paroles que l'Éternel t'a dites? Qui a déjà vu ça dans la parole de Dieu? C'est dans 1 Samuel, je pense au chapitre 2. Il dit, quelles sont les paroles que l'Éternel t'a dites? Et le mot hébreu, c'est d'abord. D-A-2-B-A-R, d'abord, qui signifie chose. Quelles sont les choses que l'Éternel t'a dit? Dans le monde spirituel, les mots, ce sont des choses. C'est la raison pour laquelle la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, en fait. C'est la raison pour laquelle la vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez dit dans votre vie ou le résultat de ce qu'on a dit dans votre vie. Bien aimé, le plus important, ce n'est pas ce que les autres ont dit dans votre vie. Parce que ce que les autres ont dit dans votre vie, vous avez la légitimité de renverser ça. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est ce que vous dites vous-même de votre vie, en fait. Vous suivez? C'est ça le gros problème. Le problème, ce n'est pas ce que ton père a dit de toi. Si ton père a dit que tu es bête, tu peux dire au nom de Jésus, je suis intelligent. Si ton père a dit que tu seras pauvre toute ta vie, tu peux déclarer au nom de Jésus, je ne serai jamais pauvre dans ma vie. Quelqu'un me suit ici. Tu peux le déclarer. Ce qui compte, c'est ce que tu dis de ta vie. Pourquoi? Parce que les mots, ce sont des choses. Vous êtes avec moi, faites comme ceci. Donc, dernière condition pour déplacer la montagne, on déclare, on déclare, Jésus a dit, si tu déclares à ce problème, à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça veut dire qu'il faut avoir la foi, il faut une montagne, il faut avoir la foi et il faut déclarer. Mais écoutez, si vous déclarez sans que la foi ne soit née dans votre cœur par le processus que je vous ai indiqué là, vous pourrez toujours déclarer, ça ne se déplacera pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles plusieurs de vos montagnes ne se déplacent pas quand vous déclarez. Blaguez pas avec ça. Vous devez d'abord concevoir la parole dans votre esprit. Et comment on la conçoit? En la comprenant, en la méditant, en y réfléchissant sur, en murmurant. Quelqu'un va tout ici, jusqu'à ce que la conviction naisse.
jusqu'à ce que l'assurance naisse. Et quand l'assurance naît, la foi est née. Et quand la foi est née, ce n'est pas suffisant. Vous libérez la parole et ça marche. Quelqu'un me suit ici. Quand j'ai un problème avec quelqu'un, que je veux régler ce problème, je rentre dans ma chambre et pendant des jours, vous n'avez pas remarqué, certainement pour que quand vous avez médité quelque chose sur votre vie, même le mal, vous finissez par le faire. Ou bien c'est que vous avez médité, vous avez pensé toute l'année, je veux jouer au bac. Et tu commences à concevoir le scénario de ce qui va se passer quand tu vas échouer au bac. Tu t'assois là et pendant 2-3 heures, tu médites sur ton échec. Et après, quand ça arrive, tu dis, je savais, c'est toi qui as créé ça. C'est toi qui l'as créé, en fait. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de dire que tu peux changer ton monde, en fait. Est-ce que vous suivez? Tu peux changer ton monde, en fait. Si tu t'assois là et tu te mets à penser ta vie, à méditer ta vie, à rêver ta vie, en fait, on ne viendra pas te présenter une facture parce que tu as pensé une belle vie. Et beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à penser grand. Pourquoi? Parce que notre vie a été pleine d'échecs. Parce qu'on nous a dit qu'on ne réussira jamais. Parce qu'on a fait plusieurs prières non exaucées. Et donc, du coup, on perd confiance en nous-mêmes. Et on perd confiance en Dieu. On perd confiance à la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'à cause de cela, vous rendez la parole inefficace. Inefficace. Un verset biblique qui marche puissamment sur quelqu'un d'autre. Quand ça arrive sur toi, ça s'éteint tout de suite. Le verset ne marche plus. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il y a des gens dans une église et dans les milieux chrétiens, je les appelle les bouffeurs d'onction. Tu viens chargé d'onction. Dès que tu t'approches seulement de lui, tu sens comme si l'onction parle de toi, en fait. Est-ce que vous suivez? C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand je prie pour les gens, je vais d'abord vers les gens qui sont chargés d'onction. Vous suivez? Parce que ceux qui sont chargés d'onction, quand tu pries pour eux, l'onction sur toi augmente. Et avant d'affronter un caillou, un bloc de glace, il faut être chargé d'onction. Quelqu'un me suit ici. Et je m'arrange toujours à aller d'abord vers ceux qui sont chargés d'onction. Parce que je sais qu'en priant pour eux, l'onction va augmenter chez moi. Et là, je pourrais aller devant le bloc de glace à partir de ce moment que tu crois ou que tu ne crois pas. La puissance de Dieu te balaye dans son passage. Quelqu'un me suit ici. Je vous dis qu'il y a une dimension d'onction. Il suffit que tu sois dans l'atmosphère où il y a cette onction. Que tu crois ou que tu ne crois pas, elle te balaye. Je le redis. Kenneth et Guy. Je vous dis qu'on est là. Non. Demain, vous ne travaillez pas. Kenneth et Guy étaient à une réunion. Ils prêchaient à la réunion. Et quand ils prêchaient à la réunion, il y a une dame qui avait amené son mari qui avait un problème cardiaque. Et le mari, pendant toute la prédication du pasteur Kenneth et Guy, le mari passait son temps à dire, c'est des bêtises, ça, c'est des conneries, c'est des bêtises, c'est du n'importe quoi. C'est des bêtises, je n'y crois pas, mais c'est des fanatiques. Mais tu es dans une secte, mais c'est du n'importe quoi. Je n'y crois pas. Pendant toute la réunion, le mari, la femme dit, j'avais même honte, parce qu'il disait ça fortement, ce qui était autour de nous. Nous disait déjà, mais attends, mais vous faites trop de bruit, c'est des bêtises, c'est du fanatisme. Vous suivez? Et à un moment donné, Kenneth Egin a commencé à prier pour les gens. Quand il priait pour les gens tombaient sous la puissance de Dieu. Il dit, mais c'est des bêtises, mais c'est des fanatiques, ces gens qui tombent. Mais c'est des vrais fanatiques. Il dit, tout à coup, il y a eu une onction qui est descendue. Et dans la pièce, il y a eu comme un nuage. Vous suivez? La nuée de gloire, la Shekinah, vous suivez? Elle est descendue dans le stade. C'était comme une sorte de stade ou de Colisée. Et ce nuage-là a commencé à passer sur la foule. Et tous ceux sur qui le nuage passait tombaient comme des dominos. Et ce monsieur était là avec ses propres yeux. Il a vu le nuage se diriger vers lui. Il a dit à la femme, ça vient sur nous, ça vient sur nous, ça vient sur nous, ça vient sur nous. Et le nuage est venu sur eux et le monsieur est tombé. Il a été guéri instantanément de problèmes cardiaques. Instantanément. Instantanément. Vous comprenez? Il y a des dimensions où il suffit que la personne, elle soit dans l'atmosphère. Vous suivez, non? Qu'elle croit ou elle ne croit pas. Ça la fait et ça la pousse. Quelqu'un me suit ici. C'est pour ça qu'il y a une atmosphère de miracle et de guérison, bien-aimé. Et c'est nous qui devons créer cette atmosphère, vous comprenez? Vous savez, vous êtes le responsable de l'atmosphère qu'il y a autour de vous, bien-aimé. Vous pouvez décider de vivre dans une atmosphère de miracle, vous suivez? Ou vivre dans une autre atmosphère, c'est vous qui êtes le responsable de cette atmosphère.
nous sommes les responsables de l'atmosphère qu'il y a dans cette église-là. Vous savez, Dieu aimerait qu'on puisse marcher dans une atmosphère où celui qui ne connaît pas Dieu, le simple fait d'être assis là, en fait, vous suivez, la puissance de Dieu descend sur lui et il se met à se repentir de tous ses péchés parce que la puissance de Dieu est sur lui. Je me rappelle à Rennes, il y avait un couple qui venait souvent. Ils étaient russes. Et la femme, déjà, des mois avant, quand je commençais à prier pour les gens tombaient sous la puissance de Dieu. La femme déjà pensait que c'était du n'importe quoi. Elle disait, non, il pousse les gens, il pousse. Et un jour, j'ai prié pour sa cousine, et la cousine est tombée. La cousine est rentrée à la maison, elle dit, non, il m'a poussé. Donc, ça fait tout un débat dans la famille. Et la dame, elle est venue le lendemain au culte, mais bien avant dans la semaine, j'ai entendu. L'une de mes collaboratrices m'a dit, tu sais, au milieu des Russes, ils sont en train de dire que tu pousses les gens quand tu pries pour eux. J'ai dit, oh, j'ai seulement dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné l'onction. J'aimerais que tu leur prouves que cette option est véritable. Le dimanche d'après, vous suivez, non? Je n'ai même pas touché. Je n'ai touché aucun risque. Aucun. Je suis seulement passé à côté de la dame. La dame est tombée sous la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pendant près de 3 dimanches enchaînés, elle arrive, elle garde sa voiture. C'est au parking déjà que l'option la bloque, en fait. Au parking déjà. Donc, elle rentre dans la salle comme ça, en fait. Au parking, en fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Le monsieur, c'était un Russe. Et quand je prêchais, lui disait toujours, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Il était sûr que tout ce que je faisais, c'était pour arnaquer les gens. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive au culte. Un jour, il y a une réunion tellement puissante. Les gens tombent sous la puissance de Dieu. Un grand papa, vous suivez, non? Il se met à pleurer. Après, il dit à sa femme, je ne sais pas pourquoi je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Je ne faisais que pleurer. La présence de Dieu était là. Donc, tous ceux qui étaient aux alentours étaient affectés. Est-ce que vous êtes avec moi? Une autre fois, j'étais au Gabon et je prêchais. Après prêcher, j'ai appelé les chantres. Je leur ai dit, venez ici. Le centre d'enseignement m'a dit, vous avez besoin d'être équipés. Les chantres sont venus là. Et vous savez, il y a toujours les plus malins qui se disent, debout là. S'ils passent seulement, je vais tomber. Ils se sont mis à genoux, tous, d'un commun accord. Mais vous savez, quand l'onction descend sur vous avec force, à genoux, debout ou assis, vous tombez. Donc, ils étaient tous là. Elles étaient tous là, les chambres, avec les autres chambres. Donc, j'ai commencé à prier. Elles ont commencé toutes à tomber à genoux, hein, comme des dominos. Poup, 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 à genoux. Hein. Et là, il y avait une dame qui était mariée à l'un des représentants d'un parti politique africain, d'un pays africain. Et le lendemain, il a fait la guerre à sa femme. Il dit, mais pourquoi tu criais comme ça quand le petit là, il pressait? Pourquoi tu es tombé quand le petit là, en fait, il est venu prier pour vous? La dame dit, mais je ne sais pas. Il était seulement en train de passer, j'ai senti un vent me traverser et je suis tombé, en fait. Le mari dit, non, toi, tu es trop fanatique. Et le mari va gronder la femme. Vous suivez, non? On arrive à la réunion. Quand on arrive à la réunion, le Saint-Esprit me donne une parole pour la femme. Donc, j'appelle la dame devant. Je dis, viens ici, maman. Ne sachant pas ce qui s'est passé à la maison, en fait. La dame vient. Et Dieu commence à me parler de sa famille. Dieu commence à me parler de ses enfants. Je dis à cette dame-là, tu as des garçons, n'est-ce pas? Elle dit, oui. Je dis, parmi eux, il y a un qui va servir le Seigneur. Donc, le mari est là debout, il me regarde comme ça. Il est juste au premier rang, en fait. Il sait que hier, j'ai fait tomber sa femme. Vous suivez? Ou entre-temps, l'onction a fait tomber la femme sous la puissance de Dieu. Il était là, il me regardait comme ça. Et il était juste en face de moi. C'était un ancien de l'église. Voyez-vous, hein, vous pouvez avoir des anciens dans votre église qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Il était là comme ça, il me regardait. Et là, je continuais à prophétiser. Pendant que je prophétisais,
l'onction était sur la femme. Et tout à coup, j'ai eu une vision. J'ai vu des cultes de famille, en fait, chez eux. Et j'ai dit à la dame, je vois maintenant vos cultes de famille. Je vois la présence de Dieu remplir vos cultes de famille. Je n'ai même pas terminé la phrase. J'entends là-bas. C'était le mari, l'intello, qui était en train d'être essoré par l'onction de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Essoré! Essoré par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est descendue avec lui avec une telle puissance. Et quand c'est comme ça, Dieu n'envoie pas l'eau, il n'envoie pas la chaleur, il n'envoie que le courant. Une puissance qui vient comme, sur toi comme de l'électricité. Pour secouer ton raisonnement. Vous êtes avec moi? Dans la salle, il y avait un diacre qui était au courant de l'histoire. Qui savait que le mari avait persécuté la femme la veille. Vous suivez? Le diacre là, c'était mon protocole en fait. À la fin du culte, il est allé voir l'ancien. Il dit alors l'ancien, qu'est-ce qui s'est passé? L'ancien dit, je ne sais pas. Quand l'enfant là, il était en train de parler, j'ai senti un truc quitter sur lui et venir sur moi et me prendre comme de l'électricité. Et je ne sais pas ce que c'est. Le diacre dit, l'ancien, c'est l'onction. C'est l'onction. Tu as vu, non? C'est l'onction. Est-ce que tu as vu ce que ça fait? Tu as voulu persécuter ta femme et l'onction t'a saisi. Que les gens qui tombent sous l'onction, ne rigolez pas. Les gens qui font des trucs bizarres sous l'onction, ne rigolez pas. Parce que le jour où ça viendra sur vous, tout à coup, vous vous retrouverez en train de faire une danse des Indiens. Est-ce que vous suivez? Je vais terminer avec ça. Je vais terminer avec ceci. On avait un frère. Le ministère avait un mois. Et c'était la première fois qu'il ressentait l'onction, ce frère-là. Et très souvent, quand on prêchait, l'onction venait sur lui. Et quand l'onction venait sur lui, il se mettait à trembler, à crier. Ça ressemblait pas à « Oh, Jesus !» Ça ressemblait un peu ça. Il criait, en fait. Et son frère, qui n'était pas converti, est venu un jour, et il a vu son frère crier comme ça sous l'onction. Et il a rigolé. Il a rigolé, vous savez. Le culte après, le frère est venu. Le culte après encore, il est revenu en fait. Le problème c'est quoi? C'est qu'à ce culte-là, j'ai prié pour tout le monde. J'ai imposé les mains. J'ai imposé les mains à tout le monde. Tout le monde. Mais ce gars-là maintenant, quand l'onction descendait sur lui, il se mettait comme ça. Après, il levait la main comme ça. Après, il faisait... À chaque fois que l'onction descendait sur lui, il a dit on lui demande, mais on lui dit, pourquoi tu te mets dans un tel état? Il dit, c'est un truc qui vient sur moi. Et c'est tellement fort qu'il faut que je me retienne avant que je ne tombe en fait. J'ai appris une leçon au niveau de l'onction. Il ne faut jamais rigoler des manifestations spirituelles de quelqu'un d'autre. Parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver, vous suivez? Vous ne savez jamais. L'esprit souffle où il veut. Amen. Où il
veut. Alléluia. Dites au nom de Jésus, cette montagne se déplacera. J'aimerais qu'on se lève quelques instants, s'il vous plaît. À chaque fois que je repense à l'histoire de ce garçon, vraiment, je suis toujours plié de rire. Toujours plié de rire. Et son frère dit, non, il arrive, son frère arrive un jour, il me fait le compte rendu. Il me dit, mais pasteur, même à la cellule, à la maison, on prie, dès que l'onction vient, il commence, il se lève et il commence. Tu vois, j'ai dit, mais... Allez,